Good morning, allez Yiden, les tutos aujourd'hui, le Lonishmat, Mourib Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo, Nissim ben Sarah et Shimon ben Moshe. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maserhet Menachot, Perek Aleph Mishnah Bet. Achat Minchat Chote, la Achat Kol Hamenachot, Shek Matzan, Zar, Onen, Dvulium, Mechusar Bgadim, Mechusar Kippurim, Shalor Echut Yadaim Raglaim, Arel, Tame, Yoshev, Omed Al-Gabe Kelim, Al-Gabe Behema, Al-Gabe Ragle Chavero, Pasoul. Kamatz Basmol, Pasoul. Ben Betera Omer, Yachazir, Veyachzo, Veikmotz Beyamin. Kamatz Vala Beyadot Soror, Ogar Gir Melach, Okoret Shel Levona. Pasoul, Mipeneshamu, Akometz Ayater Veyachaser, Pasoul. Ezeu Ayater, Shekmatzo Mevorat Veyachaser, Shekmatzo בראשי אצבעותיו. כיצד הוא עושה? פושט את אצבעותיו על פס ידו. Deux sujets essentiels dans cette Mishnah. On continue le sujet, bien sûr, des Menachot. Les Menachot, c'est qu'on apporte une oblation au Beit HaMikdash. Pour rappel, la première avoda qu'on va faire lorsqu'on apporte une oblation. Une oblation, c'est quoi? Une oblation de blé. Alors, il y a plusieurs manières, comme on le verra. On peut apporter soit de la semoule, soit en faire des petits pains, soit en faire des pains frits, plusieurs sortes. Selon le cas, il faudra ensuite les réduire en petits morceaux. Si on en a fait des petits pains, il faudra les réduire en petits morceaux de kazaït. Et tout un rituel qu'on apprendra. Et ça, c'est la préparation à la avoda. Maintenant, lorsque le jour où je vais enfin commencer à vouloir maintenant venir, lorsque je vais venir au Beit HaMikdash avec mon oblation, pour l'offrir au Mizbeach, alors le Kohen va faire 4 avodot. Kmitza, c'est qu'il va ramasser l'échantillon dans ses mains. On va prendre par exemple, si c'est de la semoule, il va ramasser l'échantillon de semoule qui doit composer les 3 doigts. La kmitza, c'est ce doigt. Alors on va expliquer à la fin de la Mishnah pourquoi, comment ça se passe précisément, comment il faut le ramasser dans les doigts. Donc, il prend un échantillon qui remplit ces 3 doigts, il va le mettre dans un kli, et il va le prendre, il va l'amener en haut, il va monter sur le kevesh, sur la rampe du Mizbeach, il va le jeter au feu. D'accord? Ok. Ça, c'est pour, de manière générale, comment est-ce qu'on offre une mincha. La Mishnah, maintenant, va venir m'enseigner quelque chose d'original qu'on a déjà un petit peu commencé à toucher hier, et qu'aujourd'hui, on va voir dans toute son ampleur. C'est que, il y a une corrélation entre les minchas, la kmitza de la mincha et la shrita du korban. Je m'explique. Vous vous rappelez aussi, dans le korban, lorsqu'on fait un animal, un bovin, un ovin, alors, il y a aussi 4 avodas, Shrita, Kabbalah, Ola, Chazrika. On égorge, on réceptionne le sang dans l'ustensile, on l'amène sur le misbéach et on l'asperge. Et là-bas, on apprenait que lorsqu'on égorge un animal, lorsqu'une personne qui est inapte à servir au Beit HaMikdash égorge l'animal, eh bien, le korban est invalidé. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui était impur, il va égorger le korban, il est invalidé. C'est ce qu'on avait appris là-bas, dans Menachot, dans Svachim. Dans Menachot, on a le même principe de la Mishnah qui va nous répéter les mêmes psoulim et les mêmes psoulim que s'il y a une personne qui n'a pas le droit de faire le service, qui va malgré tout faire la kmitza, quelque chose de très original, eh ben, il va rendre invalide le korban, selon Tanakama en tout cas, et comme ça sera retenu à l'alaha, à la différence de Ben Betera, que lui va dire quelque chose de très particulier, de très simple en fait, il va te dire, bah, écoute, ça va, tu l'as ramassé mal, t'étais pas apte à servir, t'étais un étranger, t'étais, peu importe, t'avais pas les habits du Kohen, et ben y a rien de grave. Remets-le dedans, redonne ça à un bon Kohen, et le Kohen va recommencer à le faire lui-même. Et Tanakama, ils vont te dire, non, c'est trop tard. Depuis le moment où tu vas lever le comète, où tu vas lever les séries d'échantillons, c'est fini, c'est le moment décisif, au même titre que gorger le korban, c'est le moment décisif. Là aussi, c'est le moment décisif, si t'as raté, et ben, la mincha, l'oblation, elle est invalidée, et elle devrait être brûlée. Ok, maintenant, notre Mishnah va évoquer 12 personnes impures, 12 cas de figure, qui sont inaptes à faire à servir, à faire la kmitza. D'accord? Alors la Mishnah commence. Tout ça, ça va être la première partie de la Mishnah. Après, quand on arrivera à la deuxième partie, Bezrat Hashem, on expliquera, on s'arrêtera, on expliquera un peu mieux. On traduit tout ça très vite, pour ne pas trop rallonger les cours, surtout quand ce moment c'est la période estivale, de vacances. J'imagine qu'on ne peut pas passer tous les jours 18 minutes à expliquer ces Mishnah, même si elles sont très longues. On va essayer de faire ça plus vite. Achat mincha trote v'achat kol ha menachot. Qu'il s'agisse d'une mincha que l'on apporte
pour une faute, comme ce qu'on évoquait hier, le korban olevi yored, on le reverra plus tard. Ou encore, qu'il s'agisse même de toutes les menachot. Shek matzanza, que un étranger qui n'est pas Cohen a été kometz. Il a ramassé le petit, ce que j'avais appelé le petit échantillon des trois doigts, d'accord, la petite pincée. La pincée en échantillon. C'est lui qui l'a ramassé. Moi qui suis un Cohen, qui ne suis pas Cohen, qui suis un Israël, j'étais au Beth Amikdash et j'ai voulu, moi, relever la petite pincée de la mincha. Donc j'ai invalidé le korban. Idem, si c'était un onen, si c'était un Cohen, certes, mais qui a perdu un proche parent dans cette journée. Il est onen, il n'a pas le droit de servir au Beth Amikdash. Il est triste. Et s'il est triste, il n'a pas le droit de servir. De ce fait, il faut être Oved Hashem, il doit être Hashem Besimcha. D'accord ? Donc, il faut servir Hashem avec joie. Il est triste, il ne peut pas servir. S'il a soulevé il a relevé le kometz, alors il a invalidé la mitra. Tvulium. Là maintenant, on va parler de trois types de personnes qui sont impures. Le Tvulium, on avait déjà vu que pour certaines impuretés, il faut se purifier, se tremper au mikvé. Mais on n'est pas pur pour le moment jusqu'à ce que la journée passe, que le soleil se couche. Ça, c'est le tvulium, c'est qu'il s'est trempé dans la journée. Et certes, il ne va plus impurifier certaines choses, mais par rapport à la voie d'Orbet Amigdash, il est inapte pour le moment. Idem si c'est Mechoussar Bgadim. Bon, alors Mechoussar Bgadim, le Kohen classique, il a quatre vêtements lorsqu'il sert. Il a le Mechnasaim, le pantalon, la tunique, le ceinturon, la venette, et la mikbat, le chapeau. Il lui manquait un de ses quatre vêtements pour servir au Beth Amikdash. Il a invalidé la mincha, ou il a invalidé toute la voda qu'il a pu faire. Parce que la Torah insiste, je veux dire, lorsque le Kohen, il s'appelle un Kohen que quand il est bien habillé, avec les habits du Kohen. D'accord ? Mais Chosar Kippurim, c'est encore une autre sorte d'impureté. Soit, il y a certaines personnes, comme le Metzora, une fois qu'il a fini le rituel, qu'il s'est purifié, il a fait les tzipori Metzora, il a passé 7 jours à l'extérieur du campement, il va revenir maintenant, il veut rentrer dans le Beth Amikdash, et bien il doit d'abord partir, apporter un korban particulier, il a un chemin spécial pour passer là-bas, où il ne va pas impurifier tout sur son passage, et il doit aller là-bas, faire le rituel avec l'huile du Metzora par exemple, c'est ce qu'on appelle qu'il est Mechoussar qui pourrait mieux encore, il y en a d'autres, il y a même le Zav. Il a aussi le même principe du Mechoussar Kippurim, que tant qu'il n'a pas apporté son korban, il est encore inapte à entrer dans la Zara, dans le Beth Amikdash. Lui, il est quand même entré, et il s'est mis là-bas à faire la Kmitza. Il a validé le korban. Shelo Rechut Sadaim Reglaim, Alacha, il y avait le Kiyor, il y avait l'endroit où on se lavait les mains et les pieds au Beth Amikdash. Le Kohen mettait une main sur le pied, et il versait, après il versait sur l'autre. Ça, c'est avec le Kiyor, avec le lavabo. De se laver les mains et les pieds, ben, c'est une obligation. Et si on ne sait pas laver les mains, on a invalidé le korban de nouveau. Arel, c'est celui qui n'a pas fait le Brit Mila. On ne parle pas de quelqu'un qui a un mauvais, un impire, du shalom, ce n'est pas le cas, ça, il n'y a même pas d'en parler, il n'a rien à faire au Beth Amikdash. On parle plutôt de quelqu'un qu'il a eu trois frères à lui, ses trois premiers frères qui sont nés. Lorsqu'ils ont fait le Brit Mila, ils sont morts. Alors, la Torah nous dit, la Gemara nous dit, dans ce cas-là, il y a une chazaka dans cette famille qui risque de mourir, c'est le Brit Mila. Il est dispensé de faire le Brit Mila, mais il est aussi inapte à faire le service au Beth Amikdash. Il est arel. Tamé, c'est une personne qui est impure. Qu'est-ce que ça vient inclure? Alors là, le Bar Tanoura nous rallonge pas. Le Bar Tanoura n'explique presque rien ici, il nous renvoie tout dans Zohachim. En l'occurrence, le Tamé, j'ai oublié de que ça parle. De Touma Vadaït, Avalo Benitma Touma Tateum. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui est réellement tamé et pas qui a un doute sur son impureté, comme ça l'explique le Tivar d'Israël. Yoshev, quelqu'un qui s'assoit. La Amod les charrettes, le Pasuk nous dit. Il faut toujours se lever. Lorsqu'on fait la Avodah au Beth Amikdash, on est debout. La Amod les charrettes, il se tiendra debout pour servir devant Hachem, et donc pas celui qui s'assoit. Donc si le Kohen est assis et il prélève l'échantillon, il prélève la pincée, il a rendu inapte l'oblation. Omed al-Gabé Kelim, al-Gabé Behema ou al-Gabé Ragle Chavro. Les trois, c'est le même principe en fait. Il faut, lorsque le Kohen fait sa avoda, il doit avoir les deux pieds par terre, être bien debout sur la rizpat à Azara. Comme on a rapporté le pasouk, que je sais plus comment c'est dit, la mode les charrettes, bachatzer, je sais plus. Et en tout cas là-bas, qu'il n'y ait pas de chatzitsa entre lui et le parterre. Il doit être nécessairement dans la cour. Et s'il est sur les pieds de son copain, eh ben, il n'est plus considéré comme dans la cour, il est considéré sur les pieds du copain. D'accord ?
dans la cour, dans le Khatser au El Moed. Bon, donc, pour tous ces cas-là, lorsqu'il a fait sa kmitza, il a prélevé l'échantillon, alors qu'il était inapte à le prélever, il a rendu il a invalidé la mincha, on ne pourra plus la récupérer. Idem encore, kamatz bismol pasoul, s'il a fait la kmitza avec la main gauche, alors il a rendu aussi inapte la mincha, parce que toute la avodot doit être faite avec la main droite. Ok ? On a maintenant Ben Betera, Omer, Yachazir, Yachzor, Vikmot. Alors le Bataran explique, apparemment il se rapporte que c'est la dernière phrase de la Mishnah, mais en réalité le Bataran explique que ça se rapporte sur toute la Mishnah. Pour tous les cas de figure où on a dit que les personnes ont invalidé la Mincha parce qu'ils étaient inaptes à travailler, eh ben, le Ben Betera vient et nous enseigne, non, pas du tout, il n'y a rien de grave. D'accord, c'est vrai ce que tu as fait, c'est pas bien. Eh ben remets-le dedans et redonne au Kohen, et le Kohen va lui-même prélever la pincée en échantillon, la donner dans le sensile et l'amener au Kedosh. D'accord, c'est la vie de Ben Betera, et la halakha n'est pas établie comme Ben Betera. Maintenant, on passe au deuxième sujet de la Mishnah. On va d'abord faire un petit break, ou bien non, plutôt on a qu'à lire la dernière phrase de la Mishnah. Ketsado se pochet et esgotav al pasiado. C'est flou au possible, c'est pas bien expliqué. La Mishnah, on a du mal à la comprendre telle quelle. Le Bar Tanoura, il explique, tout ce Yom Tov, Tifrat Israël, c'est tout fondé sur la Gemara, ils expliquent en réalité. On va expliquer un petit peu comme ça. On a un récipient, il y a dedans de la farine, on a mélangé l'huile, la quantité requise qu'il fallait pour faire la mincha de solette. La farine, c'est de la solette, c'est de la semoule, c'est un peu plus épais. Et maintenant, le Kohen va faire la kmitza. Lorsqu'on apporte maintenant la mincha, alors il faut, à part ça, qui est dans le récipient, ce qu'on appelle de la levona, une encens. Mais on va la laisser de côté, elle. Et à part ça, on va prélever l'échantillon. Et une fois qu'on va prélever l'échantillon, la pincée, on va le mettre dans un ustensile, dans un clé charrette particulier. Et dans cet ustensile, on va monter sur la rampe et on va là-bas le jeter au feu. Une fois qu'on va ramasser l'échantillon, d'abord il faut ramasser un échantillon de semoule, 100% semoule, pour pouvoir le prélever, ou pain si c'est des rikikim et tout ça. Et pour pouvoir bien le prélever, d'abord on va commencer par pousser la levona, l'encens qui se trouve dans l'ustensile, on va la pousser sur le côté. On va d'abord le ramasser, l'échantillon, et une fois après qu'on l'a ramassé, on va le mettre, on va veiller à ce qu'il ait la bonne taille précise, on appelle kmitza, parce que ce doigt-là, il s'appelle la kmitza, l'annulaire, je crois que ça s'appelle en français, ouais, l'annulaire. L'auriculaire. Ça marche, donc l'annulaire. Il va ramasser comme ça les trois doigts, la kmitza, en hébreu, c'est l'annulaire. Et il va les ramasser, il va veiller ensuite, il va veiller ensuite avec son pouce et avec son index à prendre la quantité précise des trois doigts. Il va mettre ça dans un ustensile, et sur ça, il va rajouter du sel, parce qu'il y a un brit melar qu'il faut mettre du sel sur toutes les minchas. Après, il va ramasser une deuxième, ensuite, il va ramasser la levona, l'encens qui était posé, il met tout ça dans l'ustensile, il monte tout ça, il brûle tout ça sur le misbéar. Ok ? Ça, c'est le rituel qui est rapporté dans le Barnora. Je trouve que c'est mieux exprimé dans le Tiferet Israël. Si vous avez le livre, ben regardez, c'est très agréable. À titre indicatif, Pasiado, que vous verrez dans les commentateurs, Pasiado, c'est la paume de la main, d'accord ? Ok. Ah, j'ai oublié l'essentiel. Le grand chidouche que moi-même j'ai appris. Moi, je pensais toujours que lorsqu'on fait la kmitza, c'est qu'on doit rentrer les doigts et puis après ramasser comme ça. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris que c'est pas comme ça. Ça peut être dans le Tiferet Israël. Dans le Tosot Yom Tov aussi, il insiste bien. Comme ça, ça ressort du Bartanora. C'est plus assez explicite dans le Bartanora, mais comme ça, Tosot Yom Tov, puis le Tiferet Israël explique. Non, il ferme d'abord les doigts tant que la main elle est dehors. Et une fois que la main est comme ça, il fait entrer sa main, donc fermée, ouverte, je ne sais même pas comment est-ce qu'il fait, mais on a difficilement réussi à mettre un doigt à l'intérieur. Lui, en tout cas, le Kohen fait entrer sa main, il l'enfonce bien jusqu'à que la farine va remonter dans ce petit espace entre ses trois doigts. Après, il remonte sa main et il la planit tout. Il y a une halakha, mais en particulier, qu'on va voir explicitement dans la Mishnah, de veiller à ce que ça ne dépasse pas et que ce ne soit pas plus profond. Il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il faut la quantité exacte des trois doigts. Ni plus, ni moins. Trois doigts exacts, et après il aplanit tout avec ses doigts. La Mishnah, maintenant, va nous commencer par nous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé si lorsqu'il a mis, il a ramassé avec ses trois doigts, il a pris, par exemple, l'échantillon, la quantité requise, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un petit grain de sel qui s'est mêlé dedans. Quelqu'un lui a mis son petit grain de sel dans sa kmitza, d'accord ? Ou bien, par exemple, il a ramassé un petit peu de la levona. Il s'avère qu'en fait,
On t'avait demandé de prendre un échantillon, je ne sais pas combien ça fait exactement en centimètres cubes, imaginez 30 centimètres cubes. C'est énorme, mais réellement c'était comme ça. D'accord? Imaginez qu'il y a 30 centimètres cubes par exemple, et puis finalement il s'avère qu'il a ramassé un petit peu de la Levona. Ben, il s'avère que l'échantillon qu'il a ramassé n'a plus la quantité requise, il n'a que 28 centimètres cubes parce que la Levona le prend 2 centimètres cubes. D'accord? C'est le principe, il est clair. On fait tout ça dans les mots de Mishnah. Kamatz ve'ala be'yado tzror o gargir o melach. Au koret shel levona. S'il a fait la kmitsa, ouais, il a prélevé l'échantillon. Mais ce qui s'est passé, c'est que ve'ala beyado tsror. Et il y a eu dans ses mains un petit caillou qui s'est mélangé. Il y avait une impureté qui était tombée dedans. Ou encore, koret shel levona. Et j'ai sauté au gargir melach, excusez-moi. Tsror, au gargir melach, au koret shel levona. Alors, tsror, en fait, tsror. Je sais plus pourquoi j'ai vu que c'était pas un petit caillou. Bon, c'est pas d'accord, apparemment un petit caillou, je sais pas pourquoi j'étais sûr que c'était pas ça. Mais bon, il y en a trois possibilités. Soit il a ramassé un petit caillou, soit il a ramassé un grain de mélard qui traînait dans son récipient, ou soit il a ramassé koret shel levona. Koret, c'est une quantité petite de levona. Il savait en tout cas que, quelle que soit la quantité petite, je t'avais demandé de remplir l'ustensile, il y a une pierre qui est tombée dedans, et ben dans cet ustensile, il va y avoir un manque du volume de cette pierre, même principe. Je t'ai demandé de remplir tes trois doigts, Hachem il a demandé de remplir ses trois doigts, il a rempli les trois doigts, mais il y avait à l'intérieur même une poussière un peu trop, une petite poussière. Et ben ça a diminué le volume de ce fait, la kmitsa est invalidée, pas soul, elle est invalidée. L'oblation est invalidée, elle devra entièrement être brûlée, on ne pourra même plus remettre à l'intérieur. Souvenez-vous, le fait de lever l'échantillon, c'est comme si on égorgeait l'animal en parallèle. De ce fait, il n'y a plus de rattrapage. T'as mal fait, c'est raté. D'accord? Donc, on commence encore une fois. Kamatz, il a prélevé l'échantillon, mais ce qui s'est passé, c'est que Ve'alabé Yado Tsror est monté dans sa main un tsror, un petit caillou, au gargir melach, ou bien un grain de sel, au koret shel levona, ou encore un petit peu de poudre de levona, pasoul. La mincha, elle a été invalidée. Mipene Shamro, car nos maîtres ont enseigné à Kometz, à Yater, Vechaser, Pasoul. L'échantillon que l'on prélève, la pincée que l'on prélève, à Yater, Vechaser, qu'elle soit supérieure au volume que je t'ai demandé ou inférieure au volume que je t'ai demandé, Pasoul, tu l'as invalidé. De ce fait, donc, ce petit grain de sel ou de levona va diminuer le volume du Kometz. Vezeu, à Yater. Qu'est-ce que tu me dis lorsque tu me dis que si tu as eu un kometz supérieur au volume qu'il a été invalidé, shekematso mevorar, c'est qu'il a prélevé la petite pincée d'échantillon, mevorats, c'est que ça dépasse des limites. Ouais, on va pas arranger pour expliquer, c'est comme dans un ustensile qu'on réussit, on remplit un ustensile, un verre, avec de la farine. Alors vous allez réussir à lui faire, à rajouter de la farine alors que vous allez dépasser les parois de l'ustensile. Ça s'appelle des birutsei midot dans la Gemara. Donc mevorat, ça vient de là, c'est tout ce qui va dépasser. Donc quand tu as pris ta pincée, tu dois ensuite aplanir avec ton, comment on l'appelait lui, l'auriculaire. D'accord? Shekmaso mevorat. Vechaser, et c'est quoi maintenant une pincée qui a été chaser, qui a été diminuée? Shekmaso berachet beotab. Alors là, c'est là où ça devient un peu compliqué à comprendre précisément. C'est-à-dire, ce que je vous expliquais tout à l'heure, comment il fallait prélever, j'ai du mal à le faire rentrer dans la Mishnah, en fait. Dans les mots de la Mishnah, ça ne s'arrange pas tellement bien. Donc, je ne sais pas, j'ai pas envie de fausser les mots. Maintenant, il explique « Shelo pashtan al kol pas yado ». On dirait que, concrètement, je ne sais pas, mon sentiment, il est que le Bartenon, il pense qu'on doit ramasser avec les doigts et l'amener ici. Alors. Sinon, je ne sais pas ce que dire « Shekmatso berashet zbotav ». « Shekmatso berashet zbotav », c'est-à-dire qu'il a prélevé l'échantillon avec ses têtes de doigts. Et le Bartenon, il insiste qu'il n'a pas mis. Il a pas rapporté sur toute sa paume de la main, il a juste ramassé comme ça, d'accord? Donc ça signifie qu'il fallait faire cette action pendant qu'on est dans la farine. Je ne sais pas comment interpréter le Bartenora et la Mishnah, c'est au contraire. Le Bartenora, j'ai plus l'impression qu'il dit ce que je ne veux pas m'engager. Ok, je continue. Donc, Shekmatso Berachetz Beotav. Ça, c'est comme ça. Shekmatso Berachetz Beotav. Donc, puisque je t'ai demandé en tout cas de remplir bien ta main et que tu l'as fait que à moitié, tu as relevé les doigts, eh ben, il va t'en manquer. Donc, Corban, la mincha, elle a été invalidée. Maintenant, Keitzado, c'est comment concrètement doit-il faire pour bien prélever la quantité requise? Pochette et etzberotav al pasiado. Alors, littéralement, il y a marqué qu'il doit rapporter ses doigts jusqu'à toute sa paume de la main. Bien faire ce geste.
D'où maintenant la question, comment, à quel moment il le fait avant de rentrer la main dans la farine ou après, c'est sur ça qu'ils viennent les commentateurs, mais nous disent qu'il le fait après. D'abord il ferme la main tant que la main est à l'extérieur de l'ustensile, et après il fait tout rentrer sa main dans l'ustensile en forçant jusqu'à ce que la farine va monter, après il aplanit tout, et il met ça dans l'ustensile en rajoutant le sel, et ensuite là les voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov, salam.